3 Jean, verset 1er jusqu'à verset 3. Bon, je lis pour nous. 3 Jean, verset 1er jusqu'à verset 3. 1 à 3. L'ancien Agarius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Verset 3, lit très intéressant, surtout dans l'autre version, qui dit, car je me suis fort réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoignage de ta sincérité et comment tu marches dans la vérité. Ayez un bon témoignage. Tel est le titre de mon sermon ce matin. Fok ou gagner un bon témoignage. Regardez le monde qui sous côté là dit fok ou gagner un bon témoignage. Bon témoignage. Dit ça fok ou gagner un bon. Mes chers amis, écoutez-moi bien. En pile des fois, ou moun ka vi noue ou, et moun nan mande ou pour bal yon recommandation. Bay yon zami yon recommandation pour lal travail yon kote. Fok gon moun ki recommande l. Gen moun ki kan vin kote, moun nan di, ah pasteur, bam yon lettre de recommandation ou bien recommandez yon côté pour me joindre nous travail. Parce que si c'est ou que recommandez, y a bam travail là. Parfois moun nan cherche yon parrain, yon moun ki gen poids pour recommander. Mais des fois je suis très prudent dans les questions de recommandation. Parce que je ne recommande pas n'importe qui. Parce que si la personne va travailler et la personne commet des erreurs, ou moun nan fait ça, pas ça, le travail moun nan, première question y a posé, qui est-ce qui t'a recommandé? Et ça fait des fois, moun kan peut recommander moun. Moun kan peur bay moun yon aval pour la yon côté si moun sa pa genye yon bon témoignage. Parfois pour yon commande yon fok ou genye yon bon témoignage. Si ki sa yon recommandation, mes chers amis, yon dou que recommandation c'est l'action de signaler à l'attention d'une autre personne, yon moun. Pour signaler à l'attention d'une autre personne, yon moun. Et, moun ko signale ya, moun ko recommande ya, fok li genye yon bon témoignage. Mes chers amis, lorsqu'on vit et lorsqu'on est chrétien, nous devons avoir un bon témoignage. Parce que si vous n'avez pas un bon témoignage, vous avez un pile pote qui a fermé pour vous-même. Passage de ce lien, c'est l'apôtre Jean
3 Jean tout lié. C'est apôtre Jean qui écrit une lettre. Mais c'est une lettre de recommandation. Il recommande au monde. Pour qui ça le recommande au monde? Parce que il a confiance dans le monde, parce que le monde te comporte parfaitement bien. Parce que côté Jean y est, parce que Jean fondait en pile l'église. Et Jean t'a commencé à venir grand monde. Et bon, l'église qui était située à l'Asie mineure, dans l'Asie mineure, et Jean, bon monde, les besoins, mon bon monde qui est dans l'église Asie mineure, là, pendant les côtés liés, et puis des bons témoignages, qu'ap vin joindre li. Qu'ap di Jean moun sa, son moun qui, bon moun, Jean moun sa, li comportel bien. Jean Mounsa, il ne fait pas honte à l'évangile de Jésus-Christ. Et Jean devait envoyer des missionnaires dans cette église. Mais il fallait qu'il recommande ces missionnaires à une personne. Et la personne que Jean a choisie, c'était Gaius. Il a choisi Gaius parmi tous les leaders qui étaient dans l'église. Il a fait choix de Gaius. Pourquoi? Parce que Gaius avait un bon témoin. Et c'est pourquoi il a écrit dans la lettre, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, il s'adresse à Gaius. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est Jean qui parle, Jean qui s'adresse et qui dit: j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Et il dit: je n'ai de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Où est lettre là? Une lettre de recommandation. Une lettre côté l'apôtre Jean est en train de féliciter Gaius pour son comportement. Et il a dit aux missionnaires: il faut aller voir Gaius parce qu'il a un bon témoignage. Et pourquoi Jean aimait Gaius? C'est parce que Gaius marchait dans la vérité. Gaius, c'est monde qui t'a aimé recevoir monde. C'est monde qui t'a aimé partager ça avec monde. Et c'est peut-être ça l'apôtre Jean dit: adjoigne Gaius parce que l'a capable aider nous, l'a capable ba nous ça nous gain besoin, parce que son nègre qui droite, qui sincère. Gaius n'était pas un menteur. Gaius, mes chers amis, il n'était pas un bluffeur, mais il était un homme sincère. Il n'était pas un calomniateur, moun kap parler mon mal. Il était un chrétien authentique. Ça ne veut pas dire que Gaius était parfait. Mais il t'a fait effort pour lui marcher dans la vérité. Et c'est peut-être ça l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 2 verset 15: efforce-toi. Efforce-toi de marcher dans la vérité. Efforce-toi de bien te conduire.
Efforce-toi de marcher selon la parole du Seigneur. L'homme fait effort pour marcher. Jean Seigneur a dû marcher. Des monde qui a gardé ou. Des monde qui a observé ou. Souvent, mes chers amis, et je le dis, quand on est sur la chair, on est en train de prêcher. Ce qu'on dit, il y a plusieurs personnes qui ont dit la même chose. Ce message que je suis en train de prêcher, il y a beaucoup de prédicateurs qui ont prêché sur ce message. Mais l'important, et c'est ce qui doit faire toute la différence, c'est quand on prêche et ce que l'on prêche, on vit ce qu'on prêche. Si ça va prêcher à l'épargne en vie, c'est laver main sur elle à terre. Votre comportement refléter la parole de Dieu. Si vous dites il faut aimer les gens, si vous dites que nous devons faire des communions fraternelles, nous devons avoir de l'amour pour nos frères, mais quand on regarde dans votre vie, vous avez de la haine ou par aimer moun, et pourtant lorsque cher c'est ça vous dit. Mais ça n'a pas gagné valeur. Parce que en pile moun kap konnen ou kap konnen son moun pa renmen moun, même si kanpe sou chair, mais l'a dit pour moun renmen moun. Gen moun kap tipe ou. Bien sûr, la parole est plus grand que le messager. Prends sa moun Abdoulan, pas garder ça la faire parce que moun dans son condamnation l'a râlé sous tête li. Parce que moun qui pa konnen a béni. Le message est toujours plus grand que le messager. Garius, il n'était pas un calomniateur. Garius, sûrement, ça l'a prêché, c'est ça que lui vive. Parce que 3 Jean, c'est une lettre qui mettait accent sur l'hospitalité. Comment recevoir les gens? Garius, c'est quand recevoir les gens. Gaius te remet moun. Gaius t'a aidé moun. Il n'était pas un bluffeur. Il n'était pas un menteur. Il n'était pas un calomniateur. Et les moun yo gardé l'envie Gaius. Yo wè ça la prêché à l'île en ville. Et puis yo bay bon témoignage. C'est peut-être ça. Y allait jusqu'au apôtre Jean. Pour yo dougon nèg dans l'église là. Monsieur son nèg kap marché droite. Et ça fait que Jean content. C'est belle bagay, oui. Les abbay bon témoignage de vous. L'on loin. Et puis, il y a un monde qui vient dire, un tel a fait tel bagay. Et puis, il y a un monde qui campe, il dit, je vais mettre même là du feu, monsieur, je vais faire ça. Parce qu'il y a un bon témoignage. Un bon témoignage. Pido perdu tout bagay. Ou pas perdu témoignage. Pour qu'à toujours camper, pour garder moun dans les yeux. Ah. Pour qu'à toujours camper, pour capable, défends-nous, le Seigneur a dit, défends-nous. Et des fois, ou qui doit même pas parler, mais c'est comportement, sincérité, qui a parlé pour vous. Qui défends-nous. Frères et sœurs, en tant que chrétien, il est nécessaire d'avoir un bon témoignage. Lorsque bon témoignage, il y a une porte qui est ouverte pour vous. Quand le Seigneur vous dit, je vais ouvrir une porte, Apocalypse 3, puisque tu n'as pas renié mon nom, je vais ouvrir une porte que personne ne va pas fermer. Mais pour que le Seigneur puisse agir pour toi, il faut que vous ayez un bon témoignage. Parce que le Seigneur ne va pas rester en haut dans le ciel pour vous ouvrir cette porte. Le Seigneur va utiliser des hommes. Mounoupata espérer, mounoupata penser, pour le mettre sous kemounsa, pour mounan fon bagay pour vous.
Mais pour moun nan agi pour ou, les bon Dieu mette sous cœur. Faut moun ki pral agi pour ou, pour bon Dieu joine cœur, mais faut moun sa connaît ko son bon moun. Parce que pour pas marrer pied bon Dieu, pour pas marrer pied. Parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre. Pour bon Dieu capable d'agir pour vous, il faut marcher droite. Pour moun, parce que des gens, bon Dieu, quand parle en vel pour les gens, ils réfléchissent. Parce que les dossiers qui viennent de nous, laisse ça ou prend temps. Et ça fait en tant que chrétien, ou fait pour veiller sur ça. Ça va faire. T'as l'heure on a fait une prière pour que l'ennemi n'a pas entré dans le temps nous. Pour que l'ennemi n'a pas piégé nous. Parfois, on va marcher dans le Seigneur. On va marcher dans le Seigneur. L'ennemi a cherché moyen pour lui piéger. Pour le faire rater bénédiction. Toujours changer, il faut avoir un bon témoignage. Et lorsqu'on cherche à avoir un bon témoignage, il faut être très dur avec soi-même. Pas très dur à tête tout. Dieu avait fait une promesse à Joseph. Il avait dit à Joseph, je vais t'élever au-dessus de tes parents. Tes frères viendront se prosterner devant toi. Mais dans le temps d'attente, qu'on bagaille qui paraît devant Joseph pour le fond fraude, pour le fond bagaille qui passe ça. Madame Potiphar vini pour le coucher avec Joseph. C'est une opportunité. Dans les yeux humains, c'est une opportunité. Parce que le maître Potiphar, l'était Joseph le commandement de toute la maison. Si je me couche avec madame dans tout, je vais avoir plus de pouvoir. Mais si Joseph fait ça, Joseph a terni témoignage. Et ennemi, parce que ennemi en connaît que bon Dieu pourra lever Joseph. C'est ennemi qui voyait madame Potiphar contre Joseph pour être capable de craser témoignage Joseph. Parce que si Joseph a couché avec madame Potiphar, parole la privée joint Pharaon. Parce que coûte que coûte, parole la a parlé. L'offre tété, parole la a parlé quand même. Li pas parlé aujourd'hui, li pas parlé demain, ennemi a avili ou quand même. Yo t'a dit, il couchait avec Joseph. Koune a Potiphar t'a connel son vieux témoignage. Potiphar t'a flanqué Joseph dehors. Il était quand même tué. Ou on met là. Et puis Joseph t'a pas une réputation moun qui n'a adultère, qui couche madame moun. Ah, elle pas t'a jamais rentré dans la prison. Est-ce qu'on comprend? Qui veut dire t'a vu une confiance. Et même s'il t'a rentré dans la prison, il t'a contré à une chanson. Action le fait à ta suivre lui. Les pharaons t'a fait rêve là pour t'a dit gros monde ah gros monde qui connaît interpréter mais c'est pas un monde qui bon nous pas ca mener n'importe monde devant pharaon non. Il y a un monde qui a couché madame moun. Est-ce que ouais Jean l'ont pas gain bon témoignage Jean qui craser route là pour. Gain deux bagages Seigneur a préparé pour vous. Bon prédicateur t'a prêché. Et qui dit ça? Le diable peut te présenter une assiette pour te faire perdre ton assiette. Diable a présenté un petit godet de l'eau pour qu'il faut perdre l'océan. Ou même si vous n'avez pas de discernement, vous avez un petit godet de l'eau et pour perdre l'océan. Changez que vous avez servi bon Dieu. Il faut avoir un bon témoignage. Et c'est ce que Paul dit dans sa parole, dans la parole de Dieu. Paul, quand il dit,
Là, 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'ikembekol du pour ça la dia pour ne pas tomber la dame. En pile des fois, nous prêchons et puis quelques temps plus tard, ennemi en pral mette prédication en devant pour le garder fin tout. Ou te dit pas voler et pour tomber dans voler. La bosse. Donc faut faire très attention nous-mêmes chrétiens. Parce que lorsque bon témoignage ou pas besoin de marcher derrière bénédiction. Bénédiction a marché derrière. Parce que ou fait non seulement moun plaisir, l'argent comporté, mais on fait que bon Dieu plaisir. Et c'est peut-être ça. L'apôtre Jean, il prononçait une bénédiction sur Darius. Il prononçait une bénédiction. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards. Et soit qui ça, en bonne santé, en bonne santé. Mais ton bagaille, comme prospère l'état de ton âme. Parce que Darius, son monde qui t'a marché droite, son monde qui pat en tromperie, qui pat kan utiliser tromperie pour tromper moun. Mais, il t'a marché droite, et c'est peut-être ça, il recevoir bénédiction. Mais ou même qui a coûté nous là, sur le net, ou même qui là, c'est seul ou même à bon Dieu qui connaît, qui mounouye. Il est souvent recommandé, quand on se lève le matin, de se regarder dans un miroir pour garder tête ou long glace. Et pour dire, bon mauvais monde, m'a fait effort pour me servir bon Dieu. Oui. C'est seul qui a dit ça. Mais quand des gens qui des têtes de long miroir, ils n'ont pas qu'à bailler témoignage de propre tête pâle. Parce qu'ils connaissent qui est lié. Nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu demande de faire l'effort. Si vous tombez, parce que pas des gens qui n'ont pas bronché, pas des gens qui n'ont pas tombé, pas des gens qui n'ont pas fait erreur. Nous tous là, nous tous sujets à erreur. Mais ça qui est là, c'est l'offre erreur. Ou retourner sur le droit chemin et vous dites ça, m'bap jam tourne la donne encore. Parce que nous sommes des pécheurs. Et il faut que nous prions pour que bon Dieu protège nous. Priez pour ne pas tomber en tentation. Les tentations viennent joindre nous. Pour nous capables de repousser. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Qui j'en ai mouillé, bénédiction ne sera pas qu'à joindre nous. Il faut qu'on en mou propre. Il faut faire effort pour servir mon Dieu, pour que bénédiction ça qu'à joindre nous. Mes chers amis, faut goumer. Il faut lutter pour jouir d'une bonne réputation en tant que chrétien. Faut lutter pour vivre une bonne, pour avoir, pour posséder une bonne réputation en tant que chrétien. Lorsqu'on jouit d'une bonne réputation, vous allez rencontrer des problèmes. Lorsqu'on jouit d'une bonne réputation, on a un bon témoignage, vous allez rencontrer des difficultés. Parce que l'ennemi va augmenter les difficultés pour vous faire perdre cette réputation, pour le faire à fond tété, pour pas de bouffer. Faut travailler, faut goumer pour capable de gagner un bon témoignage. Un bon témoignage. Paul, lui, il a parlé avec Timothée. Timothée,
te recevoir une bonté. Pour qui ça, Paul t'a choisi Timothée? Parce que Timothée avait un bon témoignage comme Gaïus. Il y a un pile monde qui recevait de bons témoignages dans la Bible. Timothée, c'était un homme droit. Malgré qu'il était souffrant, malgré qu'il était vive, ou certaines santé qui chancelante, parce qu'il était un problème dans l'estomac. Mais son nez qui t'a fait effort pour le marcher dans le bon Dieu. Et ça fait, le Paul a parlé de Timothée. Paul recommandait Timothée comme un bon monde. Il recommandait Timothée comme un bon monde. Nous changeons même Paul ça. L'elfine parlait de Timothée. Mais on a quitté Alexandre le forgeron. Que lui-même était un vieux témoignage. Paul était obligé de dire Alexandre forgeron ferme un pile mal. Dans le ministère. Mais il dit quand t'as pour Timothée, c'est mon fils. C'est un homme droit. C'est un homme qui marche dans la vérité. C'est bel bagaille, oui. Les mouna fait louange, les mouna fait éloge, parce que, ou droite. Le travail côté, bat toujours pour marcher droite. Et Paul, quand elle dit, dans 1 Thessaloniques 3, verset 6, il dit, mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Paul voyait Timothée dans l'église Thessalonique. Mais il t'a recommandé Timothée. Et les Timothée arrivaient dans l'église là. Les Timothée a gardé comportement mon l'église. Et puis il dit Paul, travail ou pas en vain, parce que les gens de l'église de Thessalonique gagnent pile là-dedans au cap marché droite. Non seulement Timothée a joui d'un bon témoignage de la part de Paul, mais les membres de l'église de Thessalonique ont joui tout d'un bon témoignage. Faut que nous marchions droite devant bon Dieu. Faut que nous marchions droite. Gagner un autre monde, frère et sœur. Qui te recevoir un bon témoignage. C'est Philémon. Philémon te recevoir un bon témoignage. Philémon te bien comporté. Philémon, son monde qui te fait effort pour marcher droit devant bon Dieu. Pour qui ça, il recevoir témoignage ça de la part de Paul, c'est parce que Paul suivait Philémon. Ou alors l'église, moun suivou. Moun suivou. Moun abgado. Y abgado so abdia. Si c'est vérité. Ou par contre, bon la kayou, tous ces chrétiens, biban babra ou, tout baga bien fait. Et puis, moun a suivou. Moun katye bon la kayou ap suivou. Yo même qui pas chrétien. Et c'est moun bon la kayou qui kabay témoignage qui mounouye. Gede moun qui chrétien. Li fort difficile soit le bon la kayli bon le pape qui t'arrive bon la kayli parce qu'il est tellement de mauvais témoignage parce que moun bon la kayou gen pou djou ki moun goye c'est ça ou pas ou renal fait prêt ou al fait prêt la banque al fait prêt la banque gen de le nèg banquier okan voye moun bon la kayou men enquête sou business ou an. Qui type de mounouye pour essayer de joindre un bon témoin pour qu'après tout comme là. Mais si vous avez une réputation, prenez comme prêté, pas jamais remettre, ça arrive dans la banque là, vous n'avez pas prêté comme là. Non. Non. Il faut avoir un bon témoignage. Philémon, t'es un bon témoignage, mes chers amis. Lors de Philémon 1er, verset 5. Parce que je sais. Je suis informé de la foi que tu as. Parce que je suis informé. Attendez bien, oui, Paul a parlé de Philémon. Car je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Ouais, je suis informé. Mais qu'on est. On prend nouvelle là. On recevoir nouvelle là pour son bon monde.
Mes chers amis, bat pour gagner bon éloge. Ou ap fè mal la jodi a, yo pa ken bo. Depuis ces chrétiens qu'on y apprennent bien, depuis que tu es baptisé, ou rentré dans de l'eau, ou recevoir Jésus comme sauveur personnel, ou ap marcher avec Jésus, et ni à la veille. Et quel que soit son fait, en mal, même quand ou ka gen un an, ou ap pa wese, c'est tant la plan pour le bon coup. Parce que la mettons en situation pour rentrer dans un bagaille qui n'est pas bon, mais objectif, ce n'est pas pour qu'il t'en joue, son affaire. Mais objectif, c'est pour le détruire. Objectif, c'est pour le détruire. Elle a fini par avis, par avilir. Elle a fini par avilir. Mes chers amis, faut demander bon Dieu, esprit que tu es sous Philémon, esprit que tu es sous Timothée, esprit qui est sous certains chrétiens, faut demander que esprit ça qui est sous Gaius là, faut demander que esprit de sincérité ça rentre la caille nous. Bon Dieu voulait bénir nous. Parce que qui ça pas le passé? Nous dans le désert. Nous dans le désert. Le dans le désert, le pour bon Dieu béni ou, il peut arriver. Et c'est nous là. Le dans le désert, parce que bon Dieu, il faut passer épreuve. Soit dans Deutéronome 8, par là d'où, il faut passer toute épreuve ça pour moi disposition cœur, sous ta obéir avec. Pendant le désert, le diable va utiliser tous les moyens pour t'empêcher d'arriver à Canaan. Il va utiliser tout moyen, tout truc, parce que le désert, bagaille pas bon. Le désert, il y a un peu de difficulté. Sans toucher, pas qu'à répondre à besoin. Et qui ça ennemi en bras fait, parce que c'est dans le désert. Mais il connaît que bon Dieu a une bénédiction pour là-haut, pour capter nous. Et qui ça l'a fait? Pendant le désert, puisqu'on a une difficulté, il parle augmenter la difficulté. Il parle augmenter le problème. Et puis pendant qu'il a augmenté le problème, il parle présenter devant avec un bagaille. Pour faire un bagaille qui passe, pour qu'il mange. Pour le travail là, pendant le travail, la difficulté, parce que il parle payer. Si on ne parle pas, pas suffisant. Et puis il paraît avoir pour le dire, si on fait ça, on fait plus comme. Et on va couvrir moi. Et puis, mais on même qui tente. Laisse à faire esprit Joseph là sous vous. Pour dire non, je ne peux pas faire l'évangile la honte. Non, je ne peux pas prendre un piège ça. Non, diable là. Si vous venez présenter à ça devant moi, c'est parce qu'on a besoin de perdre. Ou besoin de faire perdre la bénédiction, mon Dieu. Je ne peux pas prendre. Mais si vous prenez, ou pas le ténité moi dans le jour par la ville où. Ça ne veut pas dire que bon Dieu pas privé avant canard. Non, on arriver, mais ça prend plus de temps. Ou pas le retourner fait bac encore. Ah non. Et diable a tout moyen pour le détruire. Lorsqu'il est dans le désert, frère, monsieur. Lorsqu'il est dans le désert, tout piège ennemi en présenté devant ou pas tombé. Et puis bon Dieu dit, joue délivrance ou Henri, rive. Et bon Dieu commence à béni ou. Diable n'a pas pris de dormir encore. Parce que ça, mon Dieu béni, il béni net. Diable n'a pas maudit ou diable n'a pas kaba ou difficulté encore. Maintenant, qui ça va le faire? Il va le rentrer dans la bénédiction. Pour le faire connaître que ça, c'est ou fait. Et pas bon Dieu qui béni. Elle va le porter l'argent piégé ba ou. Il va le derrière faire, on fait ça que pas, ça que pas ça. Il y a un pile serviteur, bon Dieu, que bon Dieu bénit. Mais il a fait bon Dieu honte. Il a fait bon Dieu honte. Il a rentré dans le cercle. Il n'a pas dû rentrer parce qu'il a vu un gros potentat. Il a oublié des airs. Un pile de fois, bon Dieu fait passer dans une épreuve difficile. C'est pour l'or, ils vont compter, pour aller faire tête. Ou bien pour aller faire mauvais bagaille. Pour aller mal comporter.
et puis pour changer. Là qui la boue l'Éternel te prend. M'bat rien. C'est bon Dieu qui fait moun jodi a. Gen des bagay mwen pa ka fè. Mande bon Dieu grâce pour marcher dans la droiture et pour gagner moun qui fait bon éloge de vous. Gen des théologiens qui a étudié 3 Jean et yo dit que éloge ça que Jean baille Gaius là, c'est une des plus belles éloges qui remarquable dans toute Bible là. Son bel éloge. L'homme marchait bien devant bon Dieu. Et il y a un pile l'autre chrétien qui marchait bien et qui te recevoir éloge. Dans Romains 1er verset 8, certains chrétiens de Rome ont te recevoir éloge de la part de Paul. Qui dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renouvelée dans le monde entier. Que votre foi est renommée, excusez-moi, que votre foi est renommée, qui veut dire une bonne réputation dans le monde entier. C'est pour tout compte au passé, frère, sœur, pour gagner une bonne réputation. Pour gagner un bon témoignage. Matin, Seigneur, voulait pour gagner un bon témoignage. Ou même qui sont net là, bon Dieu voulait pour bon témoignage. Lorsqu'il y a un bon témoignage, bon Dieu a pouvait plus porte pour. Gagner des côtes arrivées. Parce que c'est serviteur, bon Dieu, il y a ennemi après le marché d'ailleurs. Gagner des côtes arrivées, bon Dieu a pouvait porte pour. Ennemi après le lever le monde contre tout. Qu'on dit non, papa, pour monsieur. Non, pas faire ça. Son mauvais monde. Mais tellement de bons témoignages, il y a l'autre monde qui a campé, qui a dit non, monsieur, ça, c'est un bon monde. C'est un bon monde. Pendant que monde qui a joué, pendant que monde qui a parlé mal, pendant que monde qui a barré, mais comportement dans le Seigneur, la foi dans le Seigneur, a pouvé pas de bon passé. Gardez là, on n'a même besoin de défendre tout, comportement à défendre. Ayez un bon comportement. Ayez un bon témoignage. Il faut avoir un bon témoignage. Pas jouir d'un bagaille à partir de destruction dans l'autre bagaille. Ou regardez en pile l'église, Fremson, qui construit à partir de division dans l'autre l'église. Si bon Dieu relo dans le ministère, si bon Dieu relo dans le ministère, bon Dieu a bon monde pour gérer, ou a pris bon côté, ou a évangélisé, et bon Dieu a poté brebis baou pour commencer une œuvre. C'est même Jean-Pasteur Bigot commencé œuvre ça là. C'est pour l'église que le craser pour le vin fait là. Bon Dieu, relève les balions mandat, l'a exécuté mandat, et chaque jour, il y a des gens qui sont venus dans l'église là, qui sont affiliés dans l'église là. Et lors de Pasteur Bigot, il y a un bon témoin, un bon témoignage. Mais il y a de l'église qui fait, c'est à partir de division qu'on pasteur mettait dans l'autre l'église, et puis il prend fidèle lieu, et puis il débarque, il dit l'église ça pas bon, pasteur a fait ça que pas ça, et puis il fend l'église dans deux, et puis il fait l'église mal. Mais maintenant, réellement des bombes historiques l'église, bombes historiques là, faut que courage pour camper pour dire, c'est dans l'église que me dit. Me craser un peu et puis me prend un peu et puis faut que courage mais pas jamais courage ça mais il y a de monde qui connaît et là on regarde l'église il a toujours dit l'église ça son l'église était craser vinn faire mauvais témoignage ça pas veut dire bon Dieu papa agir dans l'église ça non parce que c'est non bon Dieu qui agit mais on a bon mauvais témoin ou mauvais témoignage et ça semer c'est lui on a récolté. Ou te détruis l'église pour faire l'église pas, quelques années plus tard, ou ap jwenn l'autre monde détruit pour là pour le fond l'autre. La loi de la semence. Sortez semer, c'est lui ou ap récolter.
mandé bon Dieu grâce pour gagner un bon témoignage. Mandé bon Dieu grâce pour jamais pour ennemi en papier piégé. Des fois font bagaille qui mal, des poulan bon Dieu. Y a kembo. Y a pas vili ou. Toujours surveiller tête tout. Toujours surveiller tête tout. Nous même jeunes qui là, fait très attention à ça n'a fait. Parce que on va faire le jour, on va faire demain, gros j'ai quand même et n'y a fait quand même pour le fort pour kembo pour y a vili ou. Parce que diable a pas aimé moun, c'est bon Dieu qui aime moun. Et ça fait bon Dieu dit il faut veiller sous tête tout. Ayez un bon témoignage pour recevoir les bénédictions de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous.